Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous avez vu, on va parler du Maroc. Bon, moi, il faut savoir que j'ai grandi à Meknès. Et en fait, il faut savoir que à Meknès, je rigole, dans tout le Maroc, t'en as toujours un ou plusieurs personnes qui vont abuser. Quand je te parle d'abuser, il y a deux sortes d'abusement. Soit, écoute-moi bien comme il faut, soit tu abuses, par exemple, avec Raï Bijamila. Tout le monde connaît Raï Bijamila. Oui, nous, ok, en France, on a Raï Bijamila. Mais c'est pas le vrai. Nous, nous font le vrai Raï Bijamila. Le Raï Bijamila, t'as capté? Mais nous, en fait, il nous faut le truc rose avec le logo Raï Bijamila. Il faut qu'il y ait écrit Raï Bijamila, t'as capté? Mais nous, d'accord, tu prends une cuillère, tu manges, d'accord, tu ouvres le sachet, tu bois. Mais nous, on était maakes. Seuls les Marocains vont savoir ce que ça veut dire maakes. Je vous explique. En rotant Raï Bijamila, rac, tac, tu prends les dents, tu arraches le plastique qui est à l'envers, tu jettes avec ta bouche, comme à la Pablo Escobar. Tu bois comme un jus d'orange, tu vois, ça passe ou ça casse. Et il faut savoir qu'il y a un deuxième type. Ce deuxième type d'abusement, c'est ça. C'est dès que tu vas au Maroc, tu vas tout le temps trouver des bagarres. Des bagarres. Tout le temps, tu vas trouver des bagarres. Où tu vas trouver des bagarres. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Où tu vas trouver des bagarres. Surtout le mois du Ramadan. C'est ref, ils aiment bien se la mettre. Non, c'est trop long. Alors, écoutez-moi. Je suis vraiment, vraiment désolé. Moi, quand je parlais de mes diamants, ils aiment bien mettre des coups de poing. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Surtout les shérifs. Ah, ils aiment bien se battre. Je t'explique. Les shérifs. Les vieux, pas trop, trop vieux, t'as capté. En fait, ils aiment trop, ils aiment trop. Alors, dès que c'est bon, ça haftora, tu manges. À la fin, il regarde comme ça, il regarde s'il y a quelqu'un. Il repère son ennemi. Et wallah, t'en trouves 20 sur 1, 20 sur 1, 20 sur 2, frère, t'en trouves 2 sur 1, frère, bougna. Mais attends, il n'y a pas de type. Oh, il y a 3 types, ça va. Le troisième type, c'est quand deux Marocains se... Quand deux Marocains prennent une genouille, un sabre, un katana, un sabre, tu l'appelles comme tu veux. Mais ça fait 30 cm. Attends, je rigole, ça fait pas 30 cm, ça va, je suis pas comme ça quand même. Et quand vraiment, ça fait 60 cm, c'est bon, ça te va? Il faut savoir que... Soit t'auras tes mères, ils vont dire ah quoi, Kaibabullah, ah Walti, Walti, Walti Raymond. Bref, les mères au Maroc, tu peux pas les calmer, t'as capté. Mais il faut savoir aussi qu'il y a encore trois types de Marocains. Quand je vous dis de Marocains, c'est de Marocaines. Et les Marocaines, on les connaît très bien. Mais les Marocaines, c'est pas les Marocaines. Qu'il est mini, ah, ma femme, elle a comme type de Marocain, c'est ta mère. Ah, tu connais ce sourire, c'est ta mère. Ah oui, Elia, est-ce que tu vas manger Roya plus tard? Tous les enfants ou leur mère, c'est des Marocains, mais qui sont dans leur ventre. Tu vois qu'ils sont dans le ventre de leur mère. Ah, restez pendant 10 mois, souillez-moi un petit peu, attendez ça. Si elle pousse, quand elle veut vous faire sortir, eh ben non, vous essayez de retenir avec vos forces. Vous avez capté? Ah non, chef, ils ont pas de force, ils sont même pas conscients. Tout, ils m'entendent même pas. Mal ou tu peux? Il faut savoir que les mères marocaines, en fait, par exemple, t'es en train de chercher quelque chose. Admettons, t'es en train de chercher quelque chose. Ta mère, elle te dit, Marwan, j'ai oublié les harissons. Par exemple, on va dire les harissons. T'as capté? Marwan, j'ai oublié les harissons. Marwan, ce qui veut dire Marwan, ramène-moi les harissons. Les harissons, c'est un truc piquant. Har, à la Mexico. Har. Seuls les Marocains vont savoir où le rrrr. Faut savoir que toi, tu vas chercher les harissons, d'accord? Ta mère va te dire, le harissa il est au frigo. Toi tu vas chercher. Maman, toi tu dis, maman, il est où le harissa? Ta mère va te dire, ah la hamar, il est juste ici.
Mais toi, tu peux dire, maman, mais voilà, il n'y a pas les harissa. Ta mère va dire quoi? Elle va dire, wallah, l'adim, si je le trouve. Oh, c'est mon cas, billet, l'adim, je veux t'en cogner une. Rater, fils, moi, tu sais, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut savoir que ça. Eh ben, dès que ta mère te pousse, elle a trouvé les harissa. Te dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Là, la harissa, là, elle voulait le manger avec sa pizza. T'as capté? Elle va te le jeter sur la tête. Non, elle est pas folle. Je t'ai dit, quand je te dis, il y a des Marocaines, c'est ta mère. Normalement, juste avec le regard, tu vas me comprendre. Elle te le jette sur la tête. Que tu meurs ou pas, elle te ressuscite. Comment? C'est dans la magie. Ou les claques, Zahma, si tu fais semblant de tomber dans les pommes. Trac, tu te lèves là, il y a le moque. On va parler des pères marocains maintenant. Il faut savoir que les pères marocains, alhamdoulilah, moi j'ai un père marocain, il est cool. Wallah, il est marocain. Mais. Non, wallah, maintenant je me rappelle des moments. Oui. Quand on était petit à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans même. Faut avouer qu'on avait peur des fois, que t'es un garçon ou pas. Hein. Mais ta mère te disait quoi des fois quand t'avais peur, quand tu pleurais dans ton lit, tu disais Maman, la lumière, la lumière. Et ben ta mère elle te dit T'es une fille ou t'es haram. T'es une fille pour que tu pleures comme ça. Mais wesh, maman, t'es qu'il n'y a pas que les filles qui pleurent, il y a aussi les garçons. Bref, en fait. Quand ta mère c'est bon, elle en avait marre. D'ailleurs, tu vois, quand ta mère elle en avait marre, c'est qui prend le relais? C'est le père. Le père, quand il te met des claques, tac, ça fait mal. Quand il te met des fessées, tac, ça te fait mal. Mais après, il prend la manière forte. Soit t'as la ceinture marron, soit t'as la ceinture hell, noire. Sauf qu'il y a une différence entre marron et noir. Très grosse différence. La marron, c'est niveau 1. Ceinture noire, c'est niveau max. Niveau maximum. Niveau max, je vous laisse deviner. Fois 1000, c'est bon? Allez, 1000 fois 1000, ça fait combien? Je te laisse deviner. Si tu trouves, je te paye un kebab. Bien sûr, je suis marocain, c'est pas vrai, je mens à tous les coups. Ton père, quand il prend la ceinture marron, tac! Encore le niveau 1. Mais quand il prend la ceinture noire, tu veux pas fermer ta gueule? Wallah, t'as un drame. Pah! Star! C'est bon, dors maintenant, là, un drame. Ah oui. Je me rappelle de tous les moments passés avec mon père. On a passé des bons moments quand même. Les invités. Pendant le mariage et pendant le mariage. Pourquoi pendant le mariage? Parce que les invités, quand ils mangent comme quand c'est le mariage. T'as capté? Même si vous êtes à la maison, ils mangent comme si c'est le mariage. Zahma, eux, ils mangent, c'est bon. Au début, ils dansent, ils faisaient la rouena, mais c'est bon, ils ont terminé de manger. Salam alaikum, yallah. Salam, shukran bzaf, fierté, shukran bzaf. Ah oui, ah wallah, tenji. 2 ans plus tard, elle est toujours pas là. Les invités, en fait, les invités marocains, ils aiment trop manger, wallah. Ils aiment trop manger, mais après, ils partent. Tu vois, c'est elle, merci, wallah, je vais revenir, bien sûr, dans 2 ans plus tard, elle est toujours pas là, bref. Il faut savoir que, les Marocains, oui, j'ai dit encore les Marocains, parce que il faut savoir que les Marocains, ils s'énervent vite, vous allez, c'est comme les DZ, c'est comme les Algériens, ils s'énervent vite aussi, il faut pas oublier ça, les Algériens s'énervent très très vite, bref. Les Marocains, par exemple. Un exemple. Par exemple, il y a une voiture qui passe. Tu la regardes. Bah, fallait passer, tu regardes là. Alors qu'il y a un Marocain devant toi, subhanallah, il apparaît juste quand il est. Juste quand tu regardes par là. Tu regardes comme ça, tac, tu retournes encore. Tu dis, mais là, tu fais le mahraka. Briti d'abes ou là, qui fait ça? Yumaran. Ah, blaman. Malik, tu te dis, je parle avec ma télé, bien sûr, mais bon, c'est.
Hein? Heureusement que l'imagination elle existe. Hein. Tiens, sinon on prendrait pour un malade mental. Par contre, les Marocains. D'accord. 2 ans plus tard, ils mentent. Oui. Mais sauf que quand ils se disputent, ils disent Wallah Tenji. Quand tu disputes, ils te disent attends, je veux revenir, on va se revoir. Là oui, là ils vont se revoir. 20 minutes plus tard, tu trouves une équipe de foot. Tu trouves une équipe de foot. Mais l'autre, hein, celui qui attendait l'autre, tu trouves un stade, frère. Un stade. Et là t'entends Ate, Zido, Srouel Skobi. Oui, je sais, les Marocains, frère, ils ont des trucs de malade dans leur tête, mais bon. Non, j'ai juste vérifié au cas où il y a un Marocain, il a entendu. Parce que les Marocains, leurs oreilles, c'est des satellites. Tu vois, ils captent tout ce qu'ils disent, t'as capté. Bref, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Bref, n'hésitez pas à partager, liker. Et partagez sur TikTok parce que je suis plus actif sur TikTok. Et si je vois la vidéo, ça va me faire rire. Mais vraiment, bref. TikTok, Snap. Et Instagram dans ma description. Et puis voilà. Sinon, likez, partagez, abonnez-vous. Écrivez en commentaire si vous voulez que je parle d'autres pays. Si vous voulez que je fasse des jeux. Si vous voulez que je fasse des sketchs, carrément. Si vous avez des idées en tête, je les fais. Inch'Allah, c'est tout. Sinon, que la paix soit avec vous. Salam alaikum.